11h51 et ça fait pas longtemps que je suis réveillée. Mon café, je l'ai préparé hier. Je l'ai préparé d'avance hier. Je vais mettre du bon primer à la femme que j'ai trouvé chez Walmart à 2,47. Vraiment pas cher. Puis ce matin, on continue de faire du ménage, du rangement. Quand je suis arrivée de mes commissions, je vous ai montré mon épicerie. Puis par la suite, j'ai ramassé la cuisine. J'ai rempli le lave-vaisselle et il était déjà rempli. Je l'ai starté parce que il n'y avait pas été. Puis là, un matin, avant que ma fille se réveille, je vais essayer d'aller prendre ma douche. Puis, je vais aller vous mettre un vlog en ligne. Il faudrait juste que je me lave les cheveux, surtout. Là, ça me tente pas de me laver dans les billes et de la vaisselle. Et là, right now, je vais m'attaquer à vider mon lave-vaisselle et à la rentrer. C'est ça qui est important right now. Mais avant tout, on va prendre une bonne petite gorgée de café. C'est pas du café du Fortune, non? C'est du café balancement. C'est du Nestlé Gold. En fait, c'est un mélange de ça avec mon café d'Espagne qui reste. J'ai écrit un petit message d'encouragement à mon chat le matin. Je vous souhaite de tous de passer une belle journée. Puis nous, on va se reparler plus tard. Ciao la gueule! J'espère que vous allez bien. Il est présentement 8h08. Puis ma fille est réveillée depuis 7h30 à peu près. Elle est en train de finaliser le déjeuner. Elle mange un yogourt. Elle a mangé un demi-bagel avec la vache tirée. Une demi-morceau de bain. Et j'ai fini de remplir la lave-vaisselle. Finalement, j'aurais pas le temps d'aller faire du montage un matin. Je vais sûrement y aller pendant la sieste du matin ou de l'après-midi. C'est de bonheur. Quand est-ce que la petite madame va vouloir dormir? Ou si elle va jouer dans sa salle de jeu? Mon primer, il est quand même bon. J'aurais dû m'en acheter deux.
vous ai montré un petit peu hier mes achats que j'ai fait chez Walmart puis chez Dollarama. Je ne rachèterai pas à la menthe pour un méchant bout. De toute manière, il n'y en avait pas chez Walmart hier. Je pense que je vais continuer avec les rames. Même si je sais que ça va se vider assez vite, merci. Non? Puis celui-là, je pense qu'on peut le retrouver juste chez Walmart puis chez Maxi. Il n'y en a pas à mon IGA. Le métro, ben, j'ai pas été voir. Tenez, je me fais une toast au beurre d'arachide et de miel. Ça va être delicious. Il est présentement midi 3, puis on arrive d'aller passer un peu de temps, moi, ma fille, puis mon chien est dehors. C'est vraiment cool, on est allé passer un petit moment, pas longtemps, parce que ma fille avait commencé à avoir frais. Là, je vais y faire le dîner, puis je vais la coucher après, elle n'a toujours pas dormi. Moi, j'en ai profité pour faire du ménage. Je vais essayer le poisson ce midi. On va essayer du filet de morue. Il n'est pas frais du jour, là. Il était congelé. Là. J'espère qu'elle n'en fera pas une réaction. Si elle n'aime pas ça, ben j'y donnerai. J'y ferai un grilled cheese. Il y a une petite neige qui tombe dehors. C'est vraiment mignon. Là, j'ai pas mis les grosses mitaines à ma fille parce qu'elles sont grandes encore, ces mitaines. C'est tellement bon ça. Ça se voit de rien. J'ai aussi fait le tri des vêtements. J'ai rangé mes vêtements. Puis j'ai fait le tri des bas. Je réalise que j'ai pas mal de bas pour faire. Je vais voir que je savais de m'en acheter une caisse. C'est sûr que je donnerais pas tout le morceau de. De poisson, là. Je vais manger le reste, là. Je vais me faire une petite sauce tartare. Sans relish. Là, j'ai pas de relish, je n'ai pas ça. À ce soir, je sais pas encore ce qu'on va manger. Non, hein. C'est vraiment le fun avec mon chien qui m'a fait dehors parce que
Mets de près. Je vais vous donner un petit paquet.